La route des étalons 2014 continue ici chez moi. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est au Haras du Pin. Enfin, anciennement Haras du Pin plutôt, puisque un groupement d'éleveurs a repris cette structure. Ça s'appelle la SIC. Et oh merde, je marche dans l'eau. Ça fait rien. On va tout de suite aller se sécher les pieds pour aller voir Cross Harbour et Montmartre. Qu'est-ce qu'on peut penser de Cross Harbour? Il y a 1000 euros la saillie cette année. Donc c'est un cheval relativement accessible, notamment par rapport à sa lignée maternelle exceptionnelle. Frère de Reling, gagnant de l'Arc, et par le père Zamindar, donc père de Zarkava. Une origine Abdullah, donc on l'aura compris. Qu'est-ce qu'il a produit déjà, Cross Harbour, une jumenterie plus obstacle pour l'instant? Enfin, il a été croisé avec des juments plus obstacles. Lors de ses deux premières saisons, monte plus avec des juments d'obstacles, puisqu'il a débuté à Cercy-la-Tour. Mmh. Et donc on attend ses premiers 3 ans en 2014. Un petit mot sur son physique, comment tu le trouves? C'est un très beau cheval d'1 m 68 qui est borne, donc faut pas prêter à son œil qui paraît blanc et méchant, c'est loin de là cette idée. D'accord, merci beaucoup. Merci Loïc. Ici au Haras du Pin avec Jean-Charles Thibault. Merci de nous accueillir, Jean-Charles, au Haras du Pin. Bonjour Loïc, merci de venir. On avait vu Montmartre, on le voit d'ailleurs encore à l'écran. Alors Montmartre, il a eu deux bons débuts avec ses premiers produits qui ont eu 2 ans l'an dernier, qui sont gagnants. On ne l'attendait pas forcément à 2 ans avec de la précocité. Tout à fait Loïc, on attendait plutôt ce cheval en paire de reproducteurs de 3 ans et il nous a surpris en faisant 4 gagnants à 2 ans en fin d'année. Pour Monsieur Arthur, Monsieur Pantal, Monsieur Yadouri. Donc il y avait Rain Artist, c'était son premier gagnant. Voilà. Et Amour à Papa, une pouliche très estimée aussi. Chez Monsieur Arthur, tout à fait. C'est une pouliche à suivre qui était d'ailleurs placée de B aussi. Très bien. Donc l'an dernier, il avait fait combien de juments en 2013, Montmartre? Il a fait une soixantaine de juments, sachant que donc on attendait ses 2 ans, donc on était un petit peu en période creuse. D'accord. Comment tu le trouves évoluer depuis plusieurs années qu'il est ici maintenant? Bah, c'est un cheval relativement sympa. Pour la petite histoire, je me suis mis à le remonter il y a quelques mois. Gagnant de groupe 1, ça fait un peu vibrer de monter un cheval comme ça. Ah très bien, donc tu fais quoi alors? Tu fais des promenades ou un peu de travail aussi? Bah, du jogging on va dire, trotting et puis on fait un petit galop. D'accord, ouais. Très bien. Bon ben Montmartre, il y a combien cette année la saillie? 3500 euros hors taxe. 3500 au poulain vivant? Oui tout à fait, poulain vivant, il n'a pas bougé depuis 4 ans. D'accord, donc on va suivre avec intérêt les premiers produits de Montmartre qui ont pris 3 ans du coup cette année. On croise les doigts pour lui. Merci beaucoup. Merci Loïc.